أهلا بالجميع، لقد ترجمنا لكم اللقاء الصحفي لوليد الرقراقي ولمشاهدة جميع مباريات كأس العالم واللقاءات الصحفية. المرجو الضغط على زر إعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. Bonjour, السلام عليكم. Bon bah on avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire, avec beaucoup d'ambition, pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Yes. Hello, yes. I hated it in French, I would do it in English. As players, we are all excited to be in this semi-final, and everyone is really motivated to play against the best national team in the world. And I think with the help of our training, our trainer and the technical staff, we'll have a good game, and hopefully we'll see each other again for the final. عادل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الرقراقي، غدا ان شاء الله مباراه قويه ضد المنتخب الفرنسي، هل ممكن تعطيونا صوره على العناصر الوطنيه التي جاهزه؟ لان كل الشارع المغربي يتساءل على الاصابات اللي لاحقت اللاعبين، لان هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الرقراقي. Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau, et chaque jour il y a des choses positives qui viennent avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute. C'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il y a personne qui est out et il y a personne qui est in, on va dire. Voilà, on verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt, mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. Good morning, Mr. Regagui. Dario Ricci, Il Sole 24 Ore Italy, please in English. In your opinion, what will be the key points of the match from a tactical and a mental point of view? Thank you. The key for us is the spirit, you know? Is a team spirit. Now we play same of club, not of national team. Everybody work. Everybody want to give our best in every game. And we play a collective game every time with a good spirit. And the spirit for me is everything in the football. Is more important. And with the heart and the spirit. السي الرقراقي، انت تزاديتي في فرنسا ومسارك وتكوينك الاحترافي كان فيها، تمنيتي كيف قلتي في السابق تلعب مع هذا المنتخب وتحققت الامنيه في نصف النهايه، واش المعرفه ديالك بهذه الكره ومعك لعابه عندهم نفس المسار بوفال وسيس غيعطيك الاسلحه باش نوصلوا للفينال؟ شكرا. Non, je rentre pas du tout dans ce contexte. Je suis né en France, j'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je viens, je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde, et ce qui m'importe, c'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas et qui m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football, et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Alors, on a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Mais même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On ne fait pas attention à savoir contre qui on joue. Alors, on avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi. Et le message, il est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête.
Et quoi qu'il arrive, eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Salam alaikum, c'est Waris, c'est Ilyas. وطن المصرية يمكن في البداية بهنيكم على الإنجاز الكبير خليتوا العرب كلهم فخورين بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي إنجاز كبير سؤالي للكابتن وليد هل الإنجاز دوت ممكن نشوف مدربين عرب على منصات التتويج بعد كده مرة تانية وفي سؤال تاني للكابتن وليد والإلياس وجود أسر اللاعبين الآباء والأمهات ايه دوره كان في الانجاز اللي اتحقق للمنتخب المغربي بالوصول للدور قبل النهائي شكرا moi nous ce qui est important pour nous et je parle toujours que de football c'est ce qui m'importe nous on essaye de déjà on représente le Maroc. Donc on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, bah c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui connaissent pas vraiment notre culture, et ben c'est une bonne tribune. Mais après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente, bien sûr, le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on est un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît... les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe, tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, ben c'est encore mieux aussi parce que comme je l'ai dit le vivre ensemble c'est le plus important et je pense que le Maroc notamment c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions pour toutes les cultures et c'est un pays qui est magnifique et je parlais de Nia c'est un pays qui est vraiment Nia le Maroc alors vous traduirez en brésilien en anglais en français la Nia vous chercherez comme ça vous obligera un peu à comprendre mais le Maroc c'est cette qualité on est accueillant. On est prêt à donner et des fois, on n'attend rien en retour. Alors, ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc, si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben, c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a montré un bon exemple et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Thank you. Thank you. Merci.